Yo les Jones, est-ce que ça farce? Bon les mecs, aujourd'hui je vais directement vous donner mes astuces pour monter champion sur Fortnite. Mais avant tout les mecs, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SOUSH dans la boutique. Et je vous affiche à l'écran les 10 derniers abonnés. Donc si vous voulez passer, abonnez-vous et vous serez sûrement dans la prochaine vidéo. On est sur Fortnite les gars et je vais vous donner mes astuces pour que vous réussissez à monter champion très rapidement. Du coup déjà, on va commencer par aller en créatif. Je vous ai préparé des maps, elles sont en description. Donc voilà, toutes les maps sont en description. Forcément, je vais pas faire toutes les maps en vidéo sinon ça serait beaucoup trop long. Mais je vais vous montrer ceux que j'ai le plus utilisé dans ma carrière Fortnite. Donc pour monter champion les gars, c'est très important, il faut s'échauffer un maximum. Quand je dis un maximum, c'est on va faire map edit, map entraînement, map aim, map piece control, etc, etc. Et quand on est chaud, on va directement aller en arène. En fait le problème c'est que quand vous êtes pas chaud, vous allez faire plein d'erreurs et tout. Et c'est des petites erreurs qui vont compter le fight à chaque fois. Ensuite quand on sera, parce qu'après je vais aller en arène, du coup je vais faire, je pense je vais faire deux maps. Quand on sera en arène, je vais vous montrer mes petites astuces pour être meilleur, hein, pour éviter de rater ses fights, etc. Parce que c'est très important, tu meurs, tu dois recommencer, c'est chiant, tu rages et après t'arrêtes de jouer. Donc il ne faut jamais être tilt. Quand t'es tilt, arrête. Tu arrêtes de jouer ou tu vas faire du créatif, tu vas jouer chill et tout. Parce que le problème c'est quand t'es tilt, tu vas absolument pas jouer comme si t'étais normal. Les gars, pour ceux qui sont sur PC manette, je vous conseille de mettre les touches génériques. Voilà, il y aura moins de latence. Enfin, personnellement, pour moi, il y a moins de latence. Ok, je vous ai mis une map, donc c'est une ancienne map, hein, et de la World Cup cette map. Du coup, les gars, cette map c'est une petite map en mode construction, genre hop, faites des petites extens, vous tuez les mecs. C'est vraiment pour s'échauffer. Là je viens de lancer le PC aussi, comme vous voyez je suis pas chaud. Voilà, c'est vraiment pour s'échauffer cette map. Ça t'entraîne à faire des vraies situations en fait. Quand t'es en fin de zone ou quoi, tu extends et tout. Hop, vous avez vu, il y a plein de... Après moi cette map je la faisais quand il y avait la World Cup. Ça date vraiment. De toute façon vous connaissez Martos. Martos c'est un gigabon quand même. Bon c'est une map basique de toute façon, ça sert à rien de vous montrer plus. Mais c'est juste pour vous expliquer genre le type de map qu'il faut faire. Vous avez compris, vous avez pas vu la dernière vidéo. En gros c'est une petite course comme ça et ça vous aide énormément à vous entraîner au niveau des flick shots. Au niveau des reflex shots et tout, c'est très très bien. Je disais du coup, vous arrivez dans la map, vous avez droit à deux pompes World Cup là, vous appuyez sur le chrono et vous descendez. Et regardez, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ça échauffe de fou malade. Je suis éclaté là parce que je viens de lancer. Mais si vous faites ça genre deux fois, vous allez voir, vous allez être super fort. Regardez déjà là, je rate moins de balles. Vous avez vu, je ne pue les balles. Et il y a plein, c'est une petite course comme ça. Ouais, vous avez vu. Moi ce que je vous propose c'est que je m'échauffe une petite heure et après on part en arène. Je jure c'est pas plus simple que ça hein, genre c'est vraiment que de l'échauffement basique. Y'a pas besoin de maps trop bizarres et tout. C'est ça, c'est toujours les mêmes maps qu'on vous présente, je sais pas si vous avez remarqué. Mais celle-là c'est vraiment une pépite hein. C'est vraiment une pépite de fou. Ce que je vous propose c'est d'aller en bullfight. En bullfight. Bah si vous avez pas de potes, vous allez en bullfight public. Si vous avez des potes, vous allez bullfight avec eux. Mais privilégiez le bullfight public parce que c'est pas forcément sur les mêmes personnes qu'on joue, c'est pas les mêmes styles de jeu, etc. Donc voilà, là on est en bullfight public. Voilà. Allez, j'en fais un dernier et après je vais en game. Voilà, je l'ai fumé. Et maintenant, ah, je crois qu'il a quitté en plus. Maintenant, les gars, on retourne au salon et on va directement en arène. Normalement, je suis assez chaud. Normalement, je suis assez chaud. Je fais un bon 30 minutes d'échauffement. Là, je vous dis, hein, c'est vraiment des trucs pour être vraiment chaud, genre. Et puis voilà, on est parti. On espère en faire une vraie game. Hein. Donc là, je vais vous donner mes astuces pour... maintenant être fort en arène. Je vais monter le son du micro du jeu. Parce que les gars, le son du jeu c'est très très important. Si vous arrivez pas, parce que moi ça, depuis le début je joue avec du son du jeu, donc j'arrive à différencier les bruits de pas, etc. Genre c'est comme un... Mais si vous arrivez pas à différencier... Attendez, j'ai vu la même chose que vous là pour le logo de Kinder. Vous avez qu'à mettre le mode sourd. Le mode sourd est très très fort. Moi je le mets pas parce que ça me fait perdre des FPS. Et le mode sourd est très très bien. Ok, donc là ce qu'il faut faire c'est... je vais vous conseiller un spawn. Après c'est en fonction de vos préférences. Mais moi je vais vous donner ma petite astuce. C'est d'aller à Greasy Groove. Vous voyez, à Greasy Groove vous allez ici dans le magasin. Et vous spawnez directement sur le shield, etc. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon je vais vous montrer. C'est parti. Ok, après faut avoir le bon drop, faut pas spawn sur des montagnes. Mais ça je vous apprends pas, enfin je suis désolé, ça c'est les mêmes choses depuis le début du jeu. Normalement si vous avez regardé d'autres tutos avant, un jour bah vous savez qu'il faut pas drop sur une montagne parce que sinon ton planeur il se lève trop haut. Vous voyez que là à gauche de la carte il y a un petit truc qui dit quand ton planeur il va s'ouvrir. Bref, là j'ai mal drop parce que je regardais la carte du coup. Du coup je vais aller là dedans. Et les gars, le bâtiment du milieu c'est le meilleur, le magasin c'est le meilleur. Je vais aller push direct, que faut pas qu'il ait le temps de se shield. 26
Voilà. Hop, là je l'ai bien joué parce que regardez, il s'y attendait pas. Faut toujours faire un truc que le mec s'y attend pas. Ok, là regardez. Normalement vous spawnez là, faut avoir le bon drop. Vous spawnez ici, vous cassez là. Enfin vous prenez le coffre ici, vous cassez là, hop hop. Vous cassez ce sol, vous cassez ça. Et regardez tout le shield que vous avez. Regardez tout le shield que vous avez. Là vous êtes direct full shield. Genre c'est incroyable. Hop hop, ok. Donc moi ce que je vous conseille dans cette saison c'est de jouer la PM. Par exemple ça fait genre quelques saisons que la PM c'est super cheat. On va aller à Rocky Reels. Si vous voulez chercher des mecs les gars, toujours aller dans les villes Rocky Reels, Tilted Tower. Les villes au milieu de la map. Il y aura toujours du monde. Ah, ça me tire dessus. Bah voilà, il y avait des mecs. Regardez, là, je me précipite pas. Je garde mon shield. Je vous explique. Là, regardez, il m'a mis 30. Je me suis re-soigné direct. Pourquoi? Parce que des fois, les fights se jouent à 1 HP, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut jamais se précipiter en fight. C'est que les fights, des fois, ils jouent vraiment à 1 HP. Bref, là, vous connaissez. On prend la hauteur. Voilà, le mec, il a eu peur. Maintenant, le but, les gars, c'est de pré-shot tous ses mouvements. Là, regardez. Hop, je prends le mur. Là il va monter, ok j'ai pas eu le temps, il m'a fait mal, il m'a fait super mal, le chien, ok. Là regardez, j'ai plus de vie, je vais aller me soigner direct. Toujours se soigner, il faut toujours être au max dans les fights. Pourquoi? Parce que, bah, je vous dis encore une fois, les fights se jouaient à 1 HP à chaque. Le nombre de fois où vous êtes mort à 1 HP. Hop, je le boxe, et là je le rentre dedans, voilà, il a rien pu faire. Je vous jure, il a rien pu faire, la PM c'est trop cheaté. Tu rentres dedans, t'as gagné. Mais mec, je viens de me faire kick de la game, j'ai pas compris pourquoi. Ça m'a fait un message d'erreur, donc j'ai le seum un peu, mais c'est pas grave. Bah, je vais relancer, mais ça fait chier. Bref, je vais appliquer tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis on... J'aurais fait le top 1, tout simplement, ou top 2, ou... Hop là, comme vous voyez, je suis bien, full shield, 6 splash. Je vais aller push direct au corps à corps. Toujours au corps à corps, les gars, parce que la PM, c'est trop fort. Après, toujours essayer de mettre le plus de balles de loin. Hop, il a la hauteur. Hop, on pisse contrôle. Ah non, j'ai pas eu. Voilà, là, j'ai la hauteur. Et il a perdu. Je rentre dedans. Il a perdu. La PM beaucoup trop fort. Hop. 3x28. Voilà. On sait qu'il a à peu près 110 de PV. C'est l'avantage de la vie. On va prendre la hauteur sans qu'il nous voit, bien évidemment. Hop. Petite décale. Ça sera 41. Là, il tient sur un mur. Il va descendre parce que je casse. 140. Voilà. Vous voyez comment je les bait? J'ai fait genre j'allais casser. Du coup, le mec, il est directement descendu. La décale à droite, ça n'a pas marché. 41. Tac. Là j'ai l'avantage d'HP, donc je rentre dedans et toujours rentrer dedans. Toujours. C'est abusé hein. Il faut jouer avec sa tête et ça marche tout le temps. Genre c'est... En fait plus vous allez jouer, plus vous allez avoir de l'expérience. Plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous saurez ce que les adversaires ils vont faire. J'ai l'impression, c'est peut-être genre moi qui fais le mec un peu ou quoi, que les gens font toujours les mêmes choses. Genre ils font jamais autre chose que les mêmes choses. Genre regardez tout à l'heure. Exemple, tout à l'heure j'ai fait un bait de casser, j'ai fait genre j'allais casser et le mec il est descendu. Alors qu'en vrai j'ai pas cassé. Ou alors il fallait descendre mais en buildant en même temps pour pas qu'il me voit. Bref voilà, il y a un mec devant. Hop là j'ai la hauteur. 83, j'ai l'avantage. Hop, on prend la hauteur. Voilà, on rentre dedans. Ça passe pas. Là c'est un peu la merde. Voilà, on a gagné. Hop, on prend la hauteur. Parce que le mec est descendu. Là il va essayer de reprendre la hauteur et c'est là qu'il va falloir lui mettre des balles quand il va reprendre la hauteur. Voilà, par contre il joue bien. Voilà, petite balle timing. Là, on pré-shot. Crac. On pré-shot. Il descend là. Non. On rentre dedans. 35. Et là, regardez, il se soigne. Hop. Moins 20, moins 20. La PM, encore une fois. On se remet full. Voilà, petite balle timing. Ça par contre c'est vraiment l'expérience qui parle, ça c'est pas forcément bah, le jeu tu vois. C'est pas forcément facile de faire ça. Il a 180 HP, j'en ai 185. Hop, petite décale. Crac. Encore une fois c'est imprévisible. Là le mec on s'est fait voler. Là faut repérer où l'ennemi. Là il va essayer d'édit. Voilà, 40. En fait faut toujours prédire les mouvements de l'ennemi. T'as juste à pré-shot et ça passe tout seul. Ok, là il sait pas que c'est à moi au-dessus. Crac. C'est à moi au-dessus. Et là on rentre à la PM. On a gagné. Ah non, peut-être pas. Putain, tu m'as niqué. Là, par contre, c'est bien joué. Mais on soigne. Toujours se mettre à 100%. Là, par contre, il a bien joué parce qu'il m'a mis un gros turn, vous avez vu. Et ça veut dire que c'est un bon joueur. Bon, là, c'est trop dangereux parce que à tout moment, il sort nulle part. Donc, au pire, je vais prendre un 4. Ça sert à rien de faire des fights durant 10 ans, quoi. Là, regardez, j'ai bien pris mon temps pour viser. Je l'ai mis de tête. On rentre dedans. Voilà. Pour gagner. On rentre dedans, on gagne. Je rentre dedans. C'est parti. C'est bon, j'ai gagné. Voilà. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu à quel point c'est trop fort? C'est n'importe quoi, c'est la méta Fortnite maintenant, genre. T'as juste à rentrer dedans et puis ça passe. On prend la hauteur. Il est box. Ah, ça c'était bien joué de sa part. Tac. On le rentre dedans.
Et voilà, on a gagné. C'est abusé. Je vous jure que c'est abusé. Hop, on soigne. On est à 100%. Voilà. Parce qu'en fait, les pompes ne peuvent plus one-shot. Du coup, t'as juste à rentrer dedans et t'as gagné. Je me répète, hein, mais c'est vraiment ça, comment monter champion. Ouais. Faut rentrer dedans quand il s'y attend pas. Voilà. Là, regardez, il avait plus trop de vie. Du coup, je savais que j'allais l'achever en une balle. Hop, petite décale. On voit pas. Petite décale. On voit pas. Là, regardez, ça tient sur rien. On casse. Hop, on le cône. J'ai la hauteur. Rentre dedans. 60. Voilà, je les craque. Hop là. Bon, là, c'était du piste contrôle de fou. Hein. Je les flex un peu, mais... je les joue intelligent parce que j'ai pris la hauteur et du coup, il était perdu un peu. Il avait peur. Il avait compris qu'il aura pas la hauteur avec moi. Hop, lui aussi, il a peur. Ah non, lui, il joue bien. Lui, il a l'air bien joué. 66. Je vais pas me laisser me soigner. Là, je vais me soigner. Toujours se soigner, encore une fois. Les gars, en fait, on est avant les FN16. Du coup, les mecs, ils sont forts, là. Je les craque. Là il s'est box. Est-ce que je l'attends ou est-ce que je pars? Ouais, je pense que je vais partir quand même. Parce que là ça fait trop. Je peux pas éterniser le fight pendant 1000 ans. Non, je suis mort. Non, je suis pas mort. Voilà, 125. Je l'ai mis la pression, comme ça il va se soigner. Là regardez, je l'ai mis la pression, comme ça il arrête de me faire chier. Et comme ça je peux me soigner en fait. Oh, ça c'était beau ça. Ça c'était bien joué, je me suis caché, il m'avait pas vu. Hop, là vous avez vu. Hop, crac. Je rentre dedans. Hop. Et voilà, je l'ai eu. Je disais, là j'ai bien joué parce que j'ai entendu qu'il était crack, du coup je l'ai push comme un porc. Ça c'est un risque à prendre parce que j'avais pas de vie aussi. Hop, on prend le mur. Ok, voilà. Les gars, dans les box, il ne faut jamais rater de balles. Faites du box fight et tout. Parce que si vous ratez des balles dans les box, vous avez perdu instantanément. Ok, je vais aller push le mec dans le bush là. Juste, il n'y a pas des massifs dans le bush, donc quand vous faites ça, faites attention. Ouais, voilà, pour éviter ça. Voilà. Ah, il a pas de... Là, on a la hauteur, normalement... Ah, on a plus de masse, mais on a la hauteur. Normalement, j'ai gagné. Sauf si. Non, j'ai pas la hauteur. En fait, le problème, c'est que j'ai plus de masse. Va falloir que j'économise. Je vais farmer en route. C'est pas il ou l'autre, en fait. Parce qu'on est 3. Vous avez vu, on est 3. C'est pas il ou l'autre. Faut que je prenne l'information. Il est là-bas. Là, je vais essayer de monter sur les bâtiments qui sont déjà créés. Lui, il se met bien. Là, regardez, j'ai la hauteur normalement. Lui, je vais le rentrer dedans. Voilà, il est mort. Je prends ses maths. Et normalement, j'ai gagné. Parce que là, j'ai full masse. Normalement. Là, c'est juste un 1v1 normal. Et vu que je sais que je gère mes 1v1, hop, on lui met une petite balle. Il peut pas build ici, donc fais attention. À la limite, je peux l'enfermer carrément. Hop, et voilà, on a gagné, bravo. Je vous avais dit on allait faire top 1. En fait, les gars, quand je fais pas top 1, c'est que j'ai mal joué avec ma tête. Ou alors, c'est que je fais des erreurs ou que je vais tenter des choses. Quand vous tentez pas des choses, quand vous essayez de pas jouer beau jeu et que vous voulez juste rentrer dans le mec, c'est obligé que vous faites top 1. Obligé, il n'y a pas d'autre solution, c'est de faire top 1, vous voyez ce que je veux dire. Bah voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SOUSH dans la boutique. Et puis moi, je vous laisse, hein. C'était Souche, ciao, ciao.